Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure. Et durant cette petite heure, eh bien, on va parler de tout un tas de petites choses fort intéressantes, il me semble, puisqu'on va parler des dessin. Euh, bienvenue pour les euh, tout nouveaux qui viennent de nous rejoindre sur le, la session euh, en direct du canapé, euh, en direct du canap', pardon. Euh, ce sont des sessions qui ont lieu tous les jours euh, sur la chaîne YouTube Adobe France, sur laquelle vous êtes euh, désormais. Et durant ces sessions et eh bien on en profite pour faire euh, le tour de ce qu'on peut faire avec vos applications. profiter de votre Creative Cloud pendant que vous êtes euh, tranquillement chez vous. On profite aussi de ce canapé justement pour recevoir des invités. Alors on ne les reçoit pas sur un divan, sur un sofa, on va pas leur faire parler de toute leur vie, mais quand même pas loin. Et puis surtout, ce qu'on va essayer de faire ensemble, eh bien ça va être de pouvoir... Ah oui, tiens, je me dis que je ne suis pas sur l'écran. Hop, autant pour moi. Je vais remettre l'autoplay, vous allez pouvoir me voir. Euh, ce qu'on va faire ensemble, eh c'est aussi de recevoir donc, ces invités et de leur poser eh bien, toutes les questions sur leur workflow, la manière dont ils travaillent, la manière dont ils se sont, euh, dont ils ont commencé à à illustrer, à faire des photos, etc., etc. Et toutes ces petites choses-là, et eh bien, ce sont des trucs et astuces, des trucs et astuces métiers, des manières de fonctionner, des manières justement de pouvoir, euh, de pouvoir euh, ben, s'améliorer. Profitez du temps que vous passez avec nous sur la chaîne. Donc pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude, la chaîne YouTube est euh, évidemment disponible de manière assez simple pour vous. Euh, vous savez euh, utiliser le chat en dessous. Je vois qu'il y a déjà du monde dans le chat. Bonjour Delphi couleur vanille euh, l'abéa clémentine alexandre merci alexandre euh, bonjour aussi à jean loup à yacine à nadine à nadarassa à daniel et à tous les gens qui vont nous rejoindre aujourd'hui pour cette session donc tous les jours de la semaine parce qu'on se repose un petit peu le week-end, euh, dès 14h, vous serez avec moi pendant une petite heure pour pouvoir parler euh, par, par les images sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, le sujet qu a, que j'ai choisi de traiter avec vous, c'est un sujet qui me plaît beaucoup, puisque je l'utilise, mais en permanence maintenant, c'est Adobe Fresco, qui est une application de dessin. Et je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi je dis que je l'utilise en permanence, puisque euh, ben, je m'en sers aussi, parce qu'ici, il n'y a pas d'imprimante. Et je vous avoue que faire des coloriages directement sur la tablette, c'est très différent de l'usage des feutres, mais ça fonctionne plutôt pas mal et euh, bah, du coup ça nous permet de, ça nous permet de bien nous amuser. Je vais vous partager, pardon, mon écran. Hop. et cette fois-ci je vais vérifier que je vous partage bien mon écran et que ça se fait dans le direct. Oui, très bien. Donc, bienvenue chez moi, bienvenue sur euh, la chaîne YouTube Adobe France. Donc, vous n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, pour les nouveaux, pour ceux dont j'aurais pas encore vu passer le nom, euh, vous êtes évidemment les bienvenus. Tiens, salut Stéphane. Euh, bienvenue à Frédéric Seysoun, Bruno, etc. Vous êtes tous les bienvenus et vous savez que vous pouvez à tout moment vous abonner sur la chaîne. Donc, si vous avez besoin, euh, si vous avez envie de ne pas rater les directs, si vous avez envie d'avoir des notifs, de savoir ce qui se fait au fur et à mesure, eh bien, n'hésitez pas, c'est ici que ça va avoir lieu. Euh, N'oubliez pas non plus que eh bien, la semaine prochaine je reçois des invités. Je vais recevoir Nicolas Burnage le lundi, Étienne Mineur le mercredi, et sans doute Jérôme Bareil le vendredi. On est en train de caler ça, puisqu'on construit tout ce programme au fur et à mesure, comme vous avez pu voir. On en a déjà 4 qui ont eu lieu, euh, les 5 suivants sont quasiment prêts. Donc on fait au fur et à mesure. Tenez-vous informés sur la chaîne, tenez-vous informés via l'Instagram d'Adobe France, via le Twitter d'Adobe France qui vous retweetera. Et qui vous annoncera toutes les sessions en direct. En attendant, on ne va pas traîner non plus. Je vais vous envoyer sur hop, Adobe Fresco et Adobe Fresco. Je vais vous envoyer directement sur la page YouTube Adobe France. Pour, sur la page, pardon, du tout, sur la page produit sur le site Adobe. Et sur cette page produit, eh bien, ça va vous permettre de découvrir pour ceux qui en ont encore jamais entendu parler. Alors tiens, petit sondage euh, qui n'a jamais entendu parler de Fresco ici faites-moi dites-moi fresco FR 0 50 ou 100 0 vous m'avez pas croisé dans les euh, pendant les deux dernières années donc je vous en ai pas parlé. Euh, 50%, je vous en ai parlé. Vous voyez à peu près ce que ça fait. Vous l'avez peut-être ouvert une demi- fois. Et 100%, vous avez déjà plein d'illustrations que vous avez réalisées avec Fresco. Et euh, je me demande bien pourquoi on ne s'est pas encore parlé directement. Donc n'hésitez pas à me à répondre à ce petit sondage du jour. Donc Fresco, c'est une application de dessin, comme vous pouvez le voir dans les petites vidéos qui sont derrière. C'est une application de dessin qui va être assez cool puisqu'elle vous permet de travailler avec vos brosses Photoshop. Et du coup, de profiter pleinement de tout ce. Que, tout ce qu'a à vous offrir euh, monsieur Kyle Webster qui est un peu un des plus grands euh, euh, créateurs de brosses sur euh sur internet euh, et qui justement fabrique tout un tas de pinceaux. Euh, ce qui va être euh, plus rigolo euh, pour nous sur Fresco, c'est justement le fait qu'on va pouvoir travailler aussi en en aquarelle ou en peinture à l'huile et que du coup ces modes de couleurs, ces modes de de, de travail devraient un petit peu vous euh, vous aider justement à faire bah, des ilus euh, les plus réalistes possibles pour certains ou les plus graphiques possibles pour d'autres. Parce que la troisième le troisième mode de dessin à de Fresco, et c'est celui, enfin, c'est un de ceux que j'affectionne le plus. C'est tout simplement le dessin vectoriel, c'est à dire qu'on va pouvoir dessiner. J'ai bien dit dessiner. Je vous ai pas dit qu'on allait utiliser par exemple la plume comme dans Illustrator. Cette fois-ci, on va utiliser plutôt un, un, un pinceau, un pinceau vecteur, mais sur lequel on pourra zoomer indéfiniment. Donc, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et on vous a donné déjà régulièrement les. Euh des sessions sur la chaîne YouTube Adobe France, hein, pour ceux qui voudraient revenir dessus. Vous allez non pas en haut dans votre barre de recherche ici, mais vous allez ici sur la petite, euh, sur la petite icône et vous tapez Fresco. Et vous allez voir que c'est pas la première fois que j'aborde le sujet. Euh, on a déjà eu des sessions sur euh, la peinture, sur l'illustration vectorielle, comment ça pouvait marcher. Euh, je m'en sers beaucoup pour mes premiers rendus, etc. Il y a eu pas mal d'auteurs que j'ai reçus et que j'ai fait, euh, que j'ai fait travailler avec moi sur Fresco, donc c'est plutôt sympathique. Étienne euh, me demande est-ce que... Fresco fait partie de la suite CC ou est-ce qu'on doit l'acheter à part Rassurez-vous Étienne, euh, il fait complètement complètement partie de la suite CC. Ce qui fait que bah, c'est un peu pour ça moi, que je l'ai adopté. Euh, il est super intégré. Les illustrations que je vais faire dans Fresco vont se retrouver directement sur Photoshop. Donc je vais pouvoir justement partager euh, tout ce, tout ce contenu-là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore comme question Merci Alexandre pour les petits liens sur la session avec Nicolas. Euh... Clémentine a eu la théorie mais elle a pas encore eu l'occasion de l'utiliser, ben faut s'y mettre. Euh, je vois que l'atelier est en train de se remettre en place. Kyle Webster, merci pour la petite session. Et effectivement, une précision que j'ai pas encore abordée parce que je ne suis pas arrivé tout en bas de la page. Fresco, donc pour l'instant, il est disponible. Alors en plus, regardez cette galerie, c'est hyper cool. Il y a quand même des gens très talentueux qui jouent avec. J'ai un petit peu honte de ce que je vais vous présenter après parce que je dessine beaucoup beaucoup moins bien que ça. Mais euh, je vais vous donner les concepts théoriques. Et comme vous aurez vu la quantité de choses qu'on peut faire avec, ben je suis sûr que vous, en tant que meilleur illustrateur, vous saurez me faire des images beaucoup plus cool. N'hésitez pas d'ailleurs hein, derrière à nous taguer adobe france dessus ou moi directement pour pouvoir justement partager là dessus ce qui va vous intéresser eh bien c'est que l'application en fait elle est disponible soit toute seule euh, elle est disponible et c'est surtout ça qui est cool elle est disponible sur l'iPad ou sur Windows et donc euh, quand je dis sur Windows on va me dire mais pourquoi pas sur Mac tout simplement parce que le système prend en compte le stylet de, de la tablette de la des, des Microsoft surface notamment en natif alors que c'est pas le cas sur Mac donc on n'a pas pu faire le on n'a pas pu faire la petite passerelle qui nous aurait intéressé pour ça. Ça viendra peut-être mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Petite pause haut, je vais en profiter du coup pour vous partager directement mon écran, on sera plutôt pas mal normalement si tout va bien euh, pour que vous puissiez bah, justement retrouver cette tablette et retrouver tout ce que je vais faire avec. QuickTime est lancé, nouvel enregistrement vidéo, on va pouvoir masquer tout le reste. Hello Et on va pouvoir lui demander d'aller chercher l'iPad comme support d'écran. Et il n'est pas d'accord. Oui, je vais faire confiance à cet ordinateur. Ok, décidez plus tard. Ecoute, tout à l'heure tu lui faisais entièrement confiance. Qu'est-ce qui t'est arrivé, petit, petit QuickTime? On recommence. C'est à nouveau moi. Et cette fois-ci, c'est bien mon iPad. Ok. Donc... Check. Ça, ça peut bouger là ranger des choses. Donc, euh, bienvenue. Je vois qu'il y a encore quelques questions. Cool, oui, euh, bonjour. L'Instagram d'Adobe France, merci. Est-ce toujours l'abonnement à 30 euros environ C'est 23, euh, Bruno, ça dépend ce que vous cherchez. Euh, Photoshop tout seul, c'est 23. Euh, Photoshop pour la photo, euh, c'est 11. Et euh, toute la suite, pour les gens qui ne font pas que de l'illustration, qui font du graphisme, du web, de la vidéo ou autre, c'est. Je sais plus, 59 49 Stéphane va vous compléter les tarifs euh, et va vous mettre des liens. Merci beaucoup Alexandre de partager, les... de partager ça. Donc bienvenue sur mon, sur ma tablette hein. je triche pas c'est ça c'est euh, c'est plus la Lintuos euh, Wacom que j'utilise d'habitude pour la partie dessin donc comme vous avez pu voir euh, d'ailleurs on pourrait s'en servir pour faire un petit quiz qui ici connaît toutes les icônes que j'ai sur mon écran. Euh, est-ce qu'il y a des icônes qui vous disent rien du tout? est-ce qu'il y a des noms qui, vous, qui ne vous disent rien du tout? Euh, pour savoir si je vous fais des sessions sur ça prochainement. Aujourd'hui, je vous parle, euh, en fait, tout simplement, hein, j'ai organisé en bas, dans la, dans la barre du bas, les applications dont je me sers le plus souvent. Et là, si je vais sur Fresco, et eh bien, je vais pouvoir réorganiser, ranger mes applications, et je vais pouvoir lancer tout ça. Je vais, je me permets de vous, de vous présenter ça, parce que euh, quand on appuie, effectivement, sur Lightroom, par exemple, eh bien, on a moyen de... de pardon, oups, raté quand on appuie sur Lightroom, on a moyen de prendre une photo directement ou de modifier la dernière photo. Ça, ça peut être un truc qui peut être pratique. Ou quand on appuie sur Capture, hop, Capture, on va pouvoir créer des formes, des couleurs et on pourra même créer des pinceaux qui pourront nous servir à l'intérieur de Fresco. Donc euh, voilà le genre de petites choses qu'on va pouvoir faire. Et puis pour les gens qui sont très organisés, eh bien vous aurez tout ça aussi dans Creative Cloud qui vous permettra justement de partager là-dessus. Euh, Jean-Loup me demande ce que c'est que Live Logger. C'est un morceau de prélude qui permet de mettre... Des... De, de mettre des timecodes sur, par exemple, eh bien du commentaire plateau. Vous faites une émission télé, ou vous faites un live, comme ici, et vous voulez savoir ce que j'ai dit à 14h13 et 14 secondes, eh bien, ce sera par prélude live logger Et on pourra le récupérer derrière. <laughs> Daniel nous demande une session sur Safari, vous avez hâte Je suis pas sûr pour la session sur Safari. Elles sont toutes un peu sur Safari, ceci dit. <laughs> Bon allez je me lance je me lance sur Fresco. Euh, quand vous vous lancez sur Fresco vous avez votre page d'accueil qui vous propose de suivre une visite interactive. Moi ce que je vous recommande avant même la visite interactive, c'est de cliquer sur découvrir parce que sur découvrir en fait vous allez trouver tout un tas d'illustrateurs qui se font plaisir. Il y a ce qu'on appelle des flux en direct. Je vous avoue que j'ai pas pris le temps de me connecter moi en tant que fournisseur de flux en direct. Peut-être que j'aurais dû le faire, ça aurait été hyper malin. En tout cas, pour les gens qui aiment bien dessiner en compagnie, qui aiment bien avoir un peu de, de commentaires, etc., eh bien Fresco permet ça. Donc euh, ça peut valoir le coup. Par contre, ce qui va être beaucoup plus intéressant, c'est qu'en dessous d'en découvrir, vous allez avoir la galerie de dessins réalisés avec Fresco. Et là, vous allez voir que, en fait, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup, c'est qu'il se passe tellement, tellement de trucs dessus. C'est-à-dire qu'on euh, a des gens qui vont faire du, du dessin hyper réaliste, comme ici le petit, euh, le petit sketch au crayon. Il y a des gens qui vont faire des trucs très graphiques, il y a des gens qui vont faire des éléments euh, comme ici, un petit peu en mode euh, illustration, euh, illustration médicale. Et à chaque fois, en fait, tous ces projets-là, puisque Étienne euh, me demandait est-ce que je ferais une session sur Beyoncé, et eh bien tous les projets que vous pouvez voir dans la galerie Fresco, qui peuvent être appréciés par les gens qui regardent ça, et eh bien c'est tout simplement, en fait, les projets euh, Beyoncé qui ont été proposés par les, par les illustrateurs. Donc vous en démarrant là-dedans, ça vous permettra de comprendre tout ce qu'on fait avec, comment on travaille, comment on met en place euh, les images, etc. etc. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, il y a tellement de trucs, il euh, y a tellement de styles qui sont, euh, qui sont réalisés, il y a tellement bah, de, de temps et de talent euh, réalisés par les utilisateurs. <laughs> Est-ce que l'on peut installer des nouvelles brosses dans Fresco demande Thierry. Oui, carrément on peut installer des brosses dans Fresco. Alors, je vais aussi répondre tout de suite à une petite question qui va être... Euh, qui risque d'arriver après. C'est pour les gens qui ont déjà travaillé un peu dans Fresco, qui me disent Ouais, mais est-ce que euh, quand est-ce que la suite arrive Regardez bien sur le côté droit de mon, de mon écran, afficher les fonctionnalités. Euh, bientôt, à l'intérieur de Fresco, les formes, les pinceaux d'étalement, le fameux doigt, l'outil doigt et les smudge tools euh, qui doit s'appeler pinceau... Comment il s'appelle ce pinceau d'étalement dans, dans Photoshop? Euh, on doit, on doit pouvoir faire ça, euh, les masques d'écrétage, le dessin en symétrie, il y a tout un tas de trucs qui sont euh, qui sont pas encore là, mais qui sont dans les fourneaux et qui vont arriver prochainement. Alors évidemment, moi ce que je vous recommande, c'est de travailler, de démarrer sur votre format favori. J'ai tendance à partir sur du carré parce que je sais aussi où vont se terminer mes illustrations. Et comme la plateforme sur laquelle je poste la plupart de mes illustrations euh, à, utilise des petits carrés en permanence, eh bien, je fais des, des illustrations carrées. Bien entendu, vous pouvez faire les formats que vous voulez, et surtout un petit truc qui peut être utile pour vous, c'est que le format que vous avez choisi, alors je vais masquer deux secondes le petit, euh, la petite icône là-haut, sinon vous allez rien voir. Voilà. Donc le format que vous avez choisi là haut donc dans la, dans la roue crantée, eh bien vous pouvez à tout moment revenir dessus. C'est-à-dire que je regrette d'avoir choisi du carré, je veux partir sur un format A4 ou autre, je veux choisir des unités en centimètres ou en millimètres parce que j'y suis beaucoup plus parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec, eh bien je vais pouvoir le faire euh, directement là dedans, je vais pouvoir réorienter mon dessin. Donc ça c'est un petit truc mais je sais que les gens ont tendance à pas oser Aller cliquer sur les, sur les icônes de réglage et du coup ben, rater un peu des trucs importants, qui me semblent importants. On va même pouvoir lui demander en fait de voir ou pas ce qui se passe autour du plan de travail, et on va pouvoir lui demander aussi de visualiser, alors ça c'est plutôt dans les paramètres de, de l'application, en entrée alors d'abord vous allez pouvoir choisir si votre stylet stylo, sera plus ou moins sensible à la pression, vous allez pouvoir choisir en termes de paramètres tactiles, si on va dessiner avec le pinceau. Donc quand je vais être avec le doigt, je peux lui demander de dessiner avec le pinceau aussi avec mon doigt. Euh, perso, je le mets sur mouvement uniquement. C'est-à-dire que quand on dit mouvement, ce sont vous savez tous les petits gestes qu'on fait, pincer, zoomer dans l'application pour pouvoir faire les choses proprement. On peut aussi lui demander, et ça c'est pour les gens qui seraient pas à l'aise ou qui ont qui touchent pas forcément tout le temps au bon endroit. Vous avez avec deux doigts on peut revenir en arrière, avec trois doigts on peut aller vers l'avant dans le Fresco. Eh bien on pourra lui demander de l'annuler si ça vous plaît pas. Regardez bien les paramètres d'application parce que c'est vrai qu'ils sont assez pratiques et ils permettent justement de mieux se repérer. On pourrait Afficher les touches. Afficher les touches, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je mets mon doigt sur l'application, vous voyez où je suis. Perso, je trouve ça hyper pénible, euh, parce que du coup, derrière, je ne vois plus trop où je suis en train de dessiner. Donc, je pourrais le faire pour vous faire plaisir. Allez, je vais le garder un petit peu, juste le temps de, de démarrer avec vous. Euh, si le pencil est actif, je vais bien lui demander de faire les mouvements uniquement. Et je peux lui demander d'utiliser les raccourcis pour, par exemple, effacer avec le pinceau. Euh, sur le compte, bah, vous aurez votre compte Creative Cloud et en général ça c'est plutôt pour les gens qui aiment bien travailler la nuit vous pouvez lui demander de vous mettre en, en option de nuit perso je suis très très à l'aise avec la version claire ou la version système et vous pouvez les vous avez vu les droitiers les gauchers pourront aussi y retrouver leur, leur compte donc voilà un petit peu ma première approche de fresco euh, première approche de Fresco que je vais compléter avec une information qui sera utile aussi pour tous, c'est qu'on a trois types de pinceaux. Le premier, tout en haut, donc je suis ici, les pinceaux pixelisés. Vous allez retrouver tout un tas de pinceaux que vous avez à l'intérieur de Photoshop. Vous avez par défaut des pinceaux de bande dessinée, euh, des encreurs, etc. Vous allez retrouver aussi des pinceaux, euh, des encres un petit peu. Vous voyez ici, j'ai une encre un peu pâteuse ou un encreur sale. Ça, c'est quand vous avez pris, hop, vous avez pris votre euh, votre vieux euh, votre vieux... Vieux pentel et euh, ce vieux pentel en fait vous avez décidé de d'essayer de l'user jusque la corde. Je suis sûr que vous avez en tête des illustrateurs hein, qui pourraient, euh, qui pourraient euh, profiter de ce style là. Ici on va un peu euh, on va un peu partir sur du basique, mais le genre de, de résultat qu'on va pouvoir avoir, c'est un peu ça. Je, je suis désolé, je vous avais dit que j'allais garder l'affichage des touches. Je vais pas le garder, c'est insupportable. <laughs> euh, et merci pour le, la réponse, Alexandre. C'est bien pinceau, c'est bien au pinceau mélangeur que je pensais. Euh, merci Stéphane pour le doigt. Générer un timecode, oui, générer un timecode, tout à fait. Est-ce qu'on peut installer des nouvelles brosses Oui. Et donc pour tous ceux qui découvrent, bah j'espère que ça va vous donner un peu des, des idées de ce qu'on va pouvoir faire avec. Il se passe aussi un autre truc avec Fresco. Par exemple, euh, je sais que parfois, bah quand je vais travailler justement sur mes ombres, sur mes rendus, etc., il y aura peut-être un moment où j'aurai envie de gommer. Gommer je peux utiliser l'outil gomme, sauf que les gommes qui sont proposées par défaut, c'est vraiment des gommes, euh, des gommes complètement brutes, euh, qui ont peu de subtilité. Si je clique dessus, je peux lui demander de choisir une gomme spécifique, d'accord Mais en réalité, ce que je vais utiliser moi sur mon sur mon application, c'est de reprendre mon crayon et ici je ne sais pas si vous avez vu là sur le côté je suis en train de le déplacer j'ai ici un petit interrupteur ce petit bouton c'est un peu ce que vous avez sur le clavier de votre euh, de votre euh, ordinateur vous avez une touche alt par exemple ou majuscule qui sont des modificateurs de, le, de ce que vous allez faire après et bien là on va avoir la même chose je vais pouvoir lui dire que en appuyant là dessus en fait au lieu de dessiner je vais et il me l'écrit en haut en bleu je vais effacer avec le pinceau donc ça c'est vraiment cool parce que ça veut dire que le pinceau qui me permet de tracer, eh bien, je vais pouvoir conserver directement au directement pendant le dessin, je vais pouvoir conserver cette matière là. Et du coup, je vais pouvoir gommer, je vais pouvoir gommer plus ou moins fort, hein, parce que euh, la... vous avez réglé la pression au départ. Hein. On a une pression en standard et vous pourrez l'adapter à votre trait. Vous pourrez l'adapter à la finesse de ce que vous êtes en train de mettre en place. Ok pour tout le monde Oui. C'est qui qui a raison C'est Alex. Oui. <coughs> Est-ce que ça vous va ça Ouais. Hop. Check. N'hésitez pas aussi, hein, on est dans Fresco, on est sur un média numérique. Ça veut dire que vous pouvez zoomer. Et si vous pouvez zoomer, eh ben, vous pouvez zoomer de manière hyper forte. Vous pouvez zoomer bien plus grand que tout ce que vous pourriez faire sur du papier. Et si vous pouvez zoomer plus grand, ben, vous pouvez tourner, vous pouvez euh, vous approprier un petit peu plus euh, ce médium. Vous pouvez travailler là-dessus. J'aime bien cet encreur sale, ça fait longtemps que je n'avais pas travaillé avec, mais je trouve qu'il y, euh, y a un petit quelque chose que je vais conserver dedans et qui me, qui me plaît énormément. Qu'est-ce que vous en pensez Ça vous va ça L'encreur sale <coughs> Je trouve que ça fait un peu crade, c'est cool. Donc je m'amuse avec Fresco. Est-ce que d'ailleurs pendant la session il y a des gens qui se sont dit tiens, euh, je vais profiter du moment euh, où Franck est avec nous euh, et est en train de parler de Fresco pour installer Fresco et le tester en direct si vous faites ça, faites-moi signe, parce que ça me plaît bien de voir qu'on peut dessiner ensemble. Et puis, si jamais à la fin, vous avez tagué FR32C sur, euh, sur Twitter ou Instagram, et ben on ira regarder ce qu'il y a dedans. Vous le mettez dans vos, dans vos stories, on ira regarder ce qui, ce qui s'y est passé. Ça vous va ça Est-ce qu'il y a un modificateur pour faire ça aussi sur Photoshop demande Étienne. Ouais, il y a un modificateur dans Photoshop, sur iPad bien entendu. Parce que sur votre Photoshop de bureau, bah vous avez la touche Alt, vous avez la touche Contrôle, la touche Commande, la touche majuscule, bien sûr. Ok pour vous Donc on va pouvoir continuer comme ça. Je vais gratter un petit peu ici, hop, je vais lui rajouter une oreille, pas forcément grand chose, et euh, je vais lui mettre euh, la, ma chemise préférée, hop. Voilà, quand je dis ma chemise préférée, les gens qui me connaissent savent que ben c'est pas forcément mon, mon vêtement favori, la chemise. Mais parfois, il faut s'y coller, et parfois c'est important. Et je le fais pour vous. Je le fais parce que je suis sympa avec vous. Donc j'ai décidé de dessiner sur Fresco, j'ai décidé de faire un petit peu d'illustration. Et euh, ce que je vous ferai tout à l'heure, je pense que ce sera un peu dans la, dans la suite de ce qu'on a fait hier avec Johan Quintard. C'est-à-dire que je terminerai forcément sur le canapé. Etienne euh, ouais. Et nous dit pas forcément compatible avec sa carte graphique. C'est pas de chance, ça. Voilà. Donc, ça c'était le premier pinceau. Le pinceau, quand vous êtes. En mode pinceau pixelisé et j'ai choisi l'encreur sale et si je trouve que l'encreur sale c'est un super bon pinceau et que j'ai envie de retravailler avec d'ailleurs il, il mériterait de s'appeler pentel crad ou vieux pentel je peux le mettre comme ça et il va se retrouver dans mes pinceaux favoris alors en réalité dans mes pinceaux favoris j'ai pas que des encres j'ai aussi des crayons esquisses et j'ai le, le, le crayon crayon de base dont je me sers alors regardez bien sur la droite de mon écran j'ai un petit plus qui va me permettre en fait quand j'appuie sur ce petit plus de créer soit un calque pixel ou vectoriel mais quand j'appuie de base, en fait il me fait un calque neutre et il pourrait être pixel ou vecteur. Ce qui fait que par la suite, je vais utiliser aussi mon modificateur, j'appuie sur le modificateur et je vais double-cliquer sur mon calque. Hop, comme ça j'ai fait j'ai masqué ce calque là. Je viens sur l'autre calque et je me dis qu'on va commencer à réfléchir sur cette histoire de canapé pour la suite. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là hier sur la session de Johan Donc euh, sur la session canapé avec Lighton Dites-moi que je, que je vois à peu près ce qu'on peut, enfin, si, si ça, si ça vous parle, ce qu'on va, ce qu'on va faire. Je vais essayer de pas reprendre sa perce à lui, parce que c'était cool, mais il y a pas de raison. Euh, hop, on va faire un canapé, un canapé un peu, hop, on va mettre un peu plus de monde sur ce canapé. Alors je me rends compte que si je fais mon canap comme ça, c'est pas du tout un canap, c'est plutôt un fauteuil. Donc je vais prendre mon outil de transformation et je vais étroitiser mon canap. De toute façon, rassurez-vous, hein, ça c'est que le brouillon, mais au moins je peux faire ça, ok. Alors il me dit attention, hein, tu vas couper des morceaux, c'est pas très grave, on devrait survivre. Et ce qu'on va faire sur ce canap, du coup, bah, c'est que je vais, je vais me servir en fait de la. de la manière dont on l'avait mis en place. En fait, j'aurais bien aimé avoir un jour. Si jamais vous voulez me faire plaisir, vous me trouvez une vieille bibliothèque euh, façon euh, bibliothèque anglaise, vous savez, tout en bois, euh, blindé de livres, avec une petite lampe et un Chesterfield, ça je kifferais. Mais euh, comme on est sur un canapé avec un peu plus de gens et que je vous reçois, eh ben on va essayer de faire les choses bien. Hop, on va se faire un petit canapé comme ça, euh, voilà, un petit Chesterfield avec les gros boutons, avec les, euh, <coughs> avec le cuir euh, tanné dessus. Et ce sera, un, ce sera un Chesterfield de réception. Voilà. Ça, c'est mon rêve de canapé. Un jour pour plus tard, mais il faudrait que j'ai beaucoup plus de place qu'ici. Ça marche Qui était là hier Ah oui, vous étiez quelques-uns à être là hier. Bah ben écoutez, merci, Jean-Loup, Thierry, Bennett, Mob, Couleur Vanille, Yac qui l'a vu en replay. Eh oui On peut regarder les sessions en replay, hein. je sais que de temps en temps on a la question. Euh, N'hésitez pas, vous pouvez regarder les sessions en replay. Donc, moi je me fais mes petits brouillons, je me fais mes petits croquis, je me permets parfois de récupérer un petit bout pour faire euh, par exemple, donc toujours on a toujours la gomme quand j'appuie ici. Ah, autre truc qui est hyper pratique sur la gomme, je sais pas si vous avez vu, je peux faire un double tap et là ma gomme est verrouillée, ce qui fait que maintenant je vais être que en gomme. Pendant tout le temps où je vais l'utiliser. Alors la gomme sur le crayon esquisse, c'est pas toujours ça. Mais ça peut faire la blague quand vous savez que vous avez une paire de trucs avec, euh, à nettoyer et à cleaner. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc double tape, je reviens en mode normal. Euh, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux sélectionner. Par exemple, je peux sélectionner un accoudoir. Et je vais fermer le lasso et éventuellement le déplacer. Et ce que je vais vous montrer de rigolo, parce que moi j'aime bien ce truc là. C'est que là, je le déplace à la main. Si je le déplace à la main, ça bouge dans tous les sens. Mais je peux faire majuscule, et si je fais majuscule pendant que je déplace, hop, je vais déplacer selon l'axe. Donc ça, ça va être un premier truc pratique. Et puis là, je ne sais pas si vous avez vu, on va zoomer, on va zoomer, j'aime bien zoomer sur, euh, sur Fresco. Euh, là, je suis plus collé et j'aurais bien aimé garder mon raccord. Eh bien, je vais tout simplement appuyer, je vais faire un tap sur mon écran, juste à côté de la, de la zone de sélection. Ça, c'est un tout petit truc mais qui est tellement pratique que je l'utilise mais tous les jours. Je vous montre avec, allez, je vous le remets pour aujourd'hui, avec l'affichage des touches pour que vous compreniez bien ce qui vient de se passer. Je me mets en transformer et si je veux le décaler, je peux faire décaler, je tape sur le côté, comme pour l'appeler. Là je tape dans le carré, il va descendre d'une unité à droite à gauche. Et comme dans Photoshop, si j'appuie sur mon modifier, il va bouger de 10 en 10, comme ça je vais pouvoir recoller mon dessin hyper précisément. Hyper, peut-être pas hyper, mais euh, en tout cas, on va commencer à avoir quelque chose d'un petit peu plus sérieux en termes de modification. Est-ce que ça vous va ça Est-ce que vous aviez vu ça pour les gens qui ont utilisé Fresco ouais. ouais Hier il y avait des belles déchirures sur le, sur le canapé, mais c'est parce que Johan a un chat, je n'ai plus de chat, je n'ai qu'un enfant, c'est très différent. Donc voilà les petites, les petites astuces de, du mode de pinceau classique, le mode de pinceau pixelisé. J'oublie pas de désélectionner à la fin, ça, ça peut toujours servir. Ça marche Vous comprenez pas Nightbot Désolé Nadine. Nightbot c'est un, un bloqueur pour les gens qui mettent par exemple trop de euh, trop d'icônes, trop de ponctuation parce qu'il se dit que c'est des gens qui sont euh, euh, qui sont trop trop enthousiastes. Donc là on a vu les pinceaux pixelisés et bien entendu hein, puisque vous me l'avez demandé, on peut à tout moment lui demander petit plus de rajouter plus de pinceaux ou d'importer les, les pinceaux depuis des fichiers. Donc, ajouter plus de pinceaux, ça veut dire qu'il va m'envoyer, par exemple, sur adobe.com, <coughs> sur une page spécifique. Alors, vous remarquerez que j'ai les, euh, les mêmes besoins que tout le monde en ce moment, si vous lisez les onglets. Et euh, je vais pouvoir utiliser, en fait, les brosses qui ont été proposées par Kyle Webster. On va accepter, on va se connecter et télécharger. Hop je suis évidemment pas sur mon navigateur de d'habitude, du coup il va me réclamer d'écrire des choses que je vais pas écrire devant vous, ce que je vous aime beaucoup, hein. mais euh, je, 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 je tiens à ma liberté de penser. C'est pas de moi cette phrase. Ok, donc je suis connecté, et si je suis connecté, je peux revenir dans le coin. Hop. Et si je suis connecté et que je peux revenir dans le coin, eh bien vous allez voir que il y a tout un tas de brosses que je pourrais rajouter. Euh, les fameuses brosses de Kyle Webster dont je vous parlais un petit peu plus tôt, elles sont disponibles à la fois sur Photoshop et à la fois sur Fresco. Donc si je veux donner un peu de style, je peux rajouter par exemple des éclaboussures, je vais les télécharger, donc elles vont être enregistrées sur mon. sur le système de ma tablette. Je ne sais pas du tout à quelle vitesse si on les voit là. hop elles sont en train d'arriver. Et ces brosses, ce sont des documents .abr. Et du coup, je vais pouvoir lui demander, ok, je retourne dans Fresco. Parce qu'il n'y a pas de raison. Oups, mon Mac trouve que je ne m'occupe pas du tout, du tout assez de lui. Qui est plus petit avec les cheveux <laughs> Non, ne calmez pas votre enthousiasme, Nadine, il a pas de raison. Je vais retourner du coup donc sur mon petit canapé, il était en train d'enregistrer, et je vais lui demander du coup dans les pinceaux pixelisés, petit plus, d'importer depuis mes fichiers, et maintenant depuis mes fichiers, je dois retrouver dans les téléchargements, un seul élément, les brosses en plus. Et il m'importe les pinceaux. Alors là, vous voyez qu'il y en a 53, il prend son temps, mais je trouve que ça va quand même. Et du coup, je vais les retrouver par la suite dans tout. dans l'ensemble de mes pinceaux. Et elle devrait être quelque part. Pinceau, pinceau, comment j'ai dit que ça s'appelait Éclaboussure. Éclaboussure, où est-vous Spatterbrush, ça s'appelle précisément. Et donc maintenant, moi, je vais me créer un nouveau calque parce que je sais pertinemment que celui-là, hop, il va disparaître et que je ne l'utiliserai pas vraiment. Et je vais choisir une couleur. Hop, et, et pour l'instant, j'ai gardé le même pinceau que tout à l'heure. Et maintenant, je vais lui demander d'aller utiliser la, la ceinture d'astéroïde de Kyle Webster. Je pense que ça c'est quand il est dans l'espace, c'est toujours bien. Euh, je vais pouvoir lui demander de tester en fait d'autres pinceaux. Le dampy drip. Voilà. Hop. voilà. Je vais pouvoir choisir évidemment des couleurs différentes. C'est à vous de voir. Vous savez utiliser sans doute le, le, le dessin beaucoup mieux que moi. Le Instant poppy field, ça c'est merveilleux. Regarde bien. Hop, yay. Yeah. Donc, on peut avoir tout un champ et c'est plutôt cool. Euh, Est-ce qu'il y a des questions euh, Des sessions qui déchirent euh, C'est top, merci. Merci pour l'info, dommage, vous avez qu'un ordi euh, qui n'est pas une tablette euh, mobile ou un iPad. Top, merci pour l'enthousiasme, mais si, c'est bien que vous soyez enthousiaste. Euh, je ne pensais pas avoir fait plus que les autres, mais oui, il y avait trop de points d'exclamation. De, je crois qu'il y a trois de points d'exclamation, il sature notre bot. Souvent trop d'émojis, de majuscules. Bonjour Marc. Et bonjour Nadine. Voilà. <laughs> non mais je vous pouvez mettre un ou deux emojis peut-être pas plus. De toute façon, il vous aidera à doser, il n'est pas si méchant que ça. Donc là, on vient de voir qu'on pouvait rajouter des pinceaux. Euh, ça veut dire aussi, quand je veux rajouter des pinceaux, que mes pinceaux, en fait, font partie de mes brosses. Et donc, de mes, de mes bibliothèques Creative Cloud. Du coup, question en plus, est-ce qu'il y a des gens qui sont utilisateurs du Creative Cloud Et vous mettez CC, oui ou non. Euh, et si vous connaissez les bibliothèques Creative Cloud, eh bien, tout ce que je vais avoir ici, ce sont des brosses que j'ai euh, rajoutées au fur et à mesure. Par exemple, je dois avoir un dossier qui s'appelle brosse, et il y a tout un tas de brosses que j'avais fabriquées directement. Euh, C'est quoi ça Une brosse avec des petits clous, des petites abeilles, hop, on va pouvoir lui mettre une couleur qui nous la rendra un peu visible. Voilà. Ah oui, ça c'était la brosse avec Gasp, euh, qui est un ami à moi, et euh, j'ai fait une brosse directement avec, euh, avec sa personne. Donc, on peut se faire plaisir, il y a moyen de faire plein de choses. Je vous montre un deuxième pinceau qui me plaît bien, d'ailleurs, je vais l'utiliser pour notre canapé je vais utiliser le pinceau vectoriel. Le pinceau vectoriel, en fait, c'est tout simplement un, un pinceau euh, sur lequel on va pouvoir créer des traits qui vont être lisses et sur lesquels je vais pouvoir zoomer, euh, et zoomer très très fort. Donc, par exemple, on va lui mettre une couleur un petit peu bleutée, voilà, et puis on va pouvoir commencer, euh, et pardon, et je vais refaire le truc que je vous avais dit tout à l'heure, je vais enlever les touches. Dès qu'il s'agit de dessiner, j'enlève les touches. Tant pis, il faudra deviner où je dessine. Et donc, je vais pouvoir commencer à dessiner. Et ce qui va être intéressant pour moi, je vais reprendre d'ailleurs ce calque là. On est, dans, on est dans un équivalent de Photoshop. Donc, je peux baisser l'opacité, je peux changer les modes de fusion. Et en mode de fusion, j'ai tout ce que j'ai dans Photoshop. Euh, donc, il y a vraiment, si vous avez l'habitude de Photoshop pour dessiner, ou même d'Illustrator d'ailleurs, parce qu'on a les mêmes modes de fusion, vous ne devriez pas être complètement perdu. Ok donc je garde, j'ai baissé mon opacité, je reviens sur mon calque pour, pour travailler avec, et du coup je vais pouvoir commencer à préparer mon dessin. Ce qui va être intéressant pour moi, c'est que je vais pouvoir lui demander aussi de gérer les paramètres de lissage, parce que je ne sais pas si vous avez la tremblante ou pas lorsque vous dessinez, mais je peux lui demander justement de m'aider en termes de, de lissage, et vous avez vu, je sais, enfin je sais pas si vous avez ressenti, il y a des traits qui vont très, de manière très rapide et des traits qui vont être beaucoup plus doux, beaucoup plus fluides. Quand de Fresco m'aide à dessiner et du coup il lisse au fur et à mesure mon tracé et ça va me permettre d'avoir quelque chose de plus élégant et d'un petit peu plus souple au niveau du rendu. Hop. Comme ça je suis sûr de faire des bonnes, de faire j'allais dire de faire bonne figure, Mais absolument pas. Je, je fais toujours bonne figure même si je suis pas motivé. Ce qui va être intéressant pour nous aussi, c'est qu'on va pouvoir lui demander sur ses pinceaux. De travailler sur ce qu'on appelle l'effilement. Par exemple, je peux lui demander de défiler mon tracé au début ou à la fin. Je ne sais pas si vous voyez dans le... ici, Hop. je peux lui demander de, de ne gérer que la pression, c'est-à-dire que la pression va me permettre soit d'avoir un marqueur un petit peu comme un rotring, par exemple, ou au contraire, je lui demande d'avoir la, la pression qui est prise en compte, et donc. Si j'appuie très faiblement et que j'appuie comme un bourrin et que je réappuie très faiblement, etc., je vais pouvoir faire varier l'épaisseur de ce tracé. Euh, par contre, euh, parfois, quand j'ai envie de faire par exemple des hachures, j'ai besoin que mon tracé aille vite, et j'ai pas besoin de ressentir justement ce, ce décalage. Et je peux lui demander directement, alors ça ne va pas se voir sur le début, je vais le mettre sur la fin, hop, je peux lui demander en fait d'effiler ce tracé. Donc je vais faire pareil, tracé, effilé, 75 en général, chez moi ça suffit, et du coup je vais pouvoir lui dire, bah, Vas-y, euh, on, on va compléter un petit peu, peut-être euh, peut des ombres là-dedans. Donc je vais venir sur le côté. Hop. Et là, ça me permet d'avoir nettoyé un petit peu ce tracé. Et c'est plutôt cool. Ce que je vais faire par la suite, bah, c'est donner un petit coup de gomme. Hop. Donc je vais donner un petit coup de gomme et je vais faire gaffe. Alors je vais baisser mon lissage hein, parce que le lissage est toujours un peu trop violent. Hop et je vais gommer ici et ça va aller beaucoup, ça va être beaucoup plus fluide parce qu'il n'aura pas besoin de reconstruire au fur et à mesure. Donc à vous aussi de voir la manière dont vous voulez travailler. Euh, là j'ai mis les hachures sur le même calque. C'est pas forcément nécessaire. On peut tout à fait se contenter d'avoir les hachures sur un calque, sur un calque séparé. En tout cas, hop. Je complète un petit peu mes, mes, boutons de, mes boutons de canapé, je vais pouvoir compléter, hop, je suis très content d'avoir fait euh, plein de boutons de canapé, est-ce que je trouve ça hyper malin de ma part, en me disant qu'on est sur une session en temps limité, pas bah, forcément, est-ce que ça vous plaît les boutons de canapé, vous avez le droit de me dire un petit oui, un petit non dans le chat, euh, pour savoir si je continue, ou si, si je m'entête, ou, euh, ou si c'était vraiment pas ma meilleure idée du jour, ok, très bien. Donc je vais pouvoir compléter comme ça. Et si je me dis que ben, mon tracé n'est pas assez gros ici, peut-être que 8 c'est pas suffisant, on va peut-être le mettre à 20. Et hop, vous voyez, on va pouvoir récupérer un petit peu tout ça. On va pouvoir lui demander de ne pas avoir de dynamique de pression. Ce qui fait que quand j'ai coupé la dynamique de pression sur ce, sur ce rendu-là, eh je vais avoir du coup le tracé qui sera forcément à l'épaisseur que j'avais souhaité au départ. Donc on va pouvoir récupérer ça et ça va être plutôt cool pour faire bah, justement ces petits plis de, euh, ces petits plis de cuir hop, sur mon canapé. Ce que je vais faire aussi, c'est que là on commence à être à peu près juste sur la partie dessin. On va augmenter le lissage pour être sûr d'être propre. Pareil en bas. On va fermer un petit peu le trait ici. On va terminer sur les pieds du canap, On va baisser le lissage parce que le lissage... Il est quand même un peu violent là. Hop. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais masquer le dessin du dessous. Parce qu'en vrai, j'en ai pas besoin. Ce que je vais faire par contre ici, c'est que je vais aller hop nettoyer un petit peu de ce côté-là à l'intérieur du canap. Voilà. Et surtout, surtout, je vais essayer d'être beaucoup plus malin. Je peux dans Fresco me faire autant de calques que je veux. Donc si j'ai besoin d'avoir... Hop. Plusieurs calques, je vais pouvoir le faire. Ça me permettra éventuellement derrière d'atténuer certains de mes calques. On va rafficher celui-ci parce que j'ai pas fait tous les boutons. Je sais pas si vous êtes un illustrateur, des illustrateurs consciencieux ou si, comme moi, de temps en temps vous torchez les trucs parce que des gens vous regardent. Au contraire, si quand on vous regarde, vous êtes plus précis. Hop. Là on est bon. Euh, du coup je peux mettre mes petites hachures. Voilà. Et on va faire pareil ici. C'est pas mon meilleur choix ce, ça. Hop, on va annuler. Donc deux doigts, j'annule et je reviens en arrière. Là on va juste en laisser deux, ce sera peut-être plus joli. Et de toute façon, je me dis aussi que je vais régler la couleur. Manière différente, ça vous va ça pour l'instant? Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Je vous lis pas tout le temps, hein. je suis pas tout le temps en train de regarder sur le chat. Euh, les brosses peuvent être ajoutées depuis Photoshop, oui, capture. Vous connaissiez, c'est original, très bien. Est-ce qu'on peut faire des formes vectorielles histoire de ne pas faire les formes sur Illustrator avant, Nils? Euh, pas encore, mais ça a été annoncé comme étant dans les prochaines fonctions. Euh, pour l'instant on n'a pas encore de forme vectorielle à l'intérieur de Fresco de, ma, de mémoire hein, que je dise pas de bêtises stéphane ou alors je suis passé complètement à côté de la chose ce qui arrive donc ici je vais pouvoir compléter mon dessin Hop. je vais pouvoir compléter mes pieds de canapes et puis je me dis c'est pas mal mais j'aimerais bien mettre un peu de couleur dans tout ça et eh bien là, vous avez pu voir donc les tracés vectoriels qui ont un, certains avantages par rapport, au, par rapport au pinceau pixel, et notamment les avantages qu'ils ont par rapport au pinceau pixel. Si je regarde ici, c'est que vous allez commencer à le voir, mon tracé vectoriel, bah, il est vectoriel, il est parfait, je peux zoomer autant que je veux, créer des affiches et autres avec, alors que mon tracé pixel, bah, du coup, je vais être limité par la quantité de pixels que j'ai à ma disposition. Ça va Merci Nadine, je suis ravi que ça vous plaise. Hop Donc, euh, je vais pouvoir faire ça, ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va terminer sur le tout, tout, tout dernier euh, type de pinceau qu'on a à l'intérieur de Fresco et que je kiffe grave. C'est le pinceau euh, qu'ils ont appelé euh, pinceau dynamique. Pinceau dynamique, ça veut dire quoi Ça veut dire par exemple, je vais me créer un nouveau calque, je vais garder. Non, je vais masquer mon canapé pour l'instant. Alors, tiens, tenez, on va faire un petit truc. Là, j'ai à la fois le canapé et les boutons de canapé, enfin les, les, les ondes de canapé que j'ai rajoutées. J'ai besoin de les manipuler ensemble. Je vais appuyer sur le premier, je vais glisser dedans, dans le deuxième. Et du coup, je vais avoir fabriqué un groupe. Et je peux à tout moment rentrer dans mon groupe. Et dans mon groupe, eh bien, je vais pouvoir visualiser un peu mes, mes rendus. Ça marche ça Vous connaissiez ça Pour les gens, pour les quelques-uns qui m'ont dit oui, j'ai installé Fresco et ça va être cool. Oui 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 Nils, pour les choses qui viennent plus tard, j'enregistre mon document, vous revoyez du coup mon, mon... mon panneau d'accueil, n'oubliez pas, hein, je l'ai montré au début, tout au début il y avait les nouveautés à venir pour Fresco, là à droite, afficher les fonctionnalités, et dans les fonctionnalités à venir, on va avoir les formes, on va avoir de la symétrie, on va avoir des masques d'écrétage, etc., etc. Donc c'est juste une question de patience, je sais qu'il y a des choses qui arrivent bientôt. Est-ce qu'on peut importer un objet dynamique Illustrator euh, C'est une super bonne question. Hum, je ne comptais pas faire ça tout de suite, mais on va regarder un petit peu. Euh, parce que bah, je peux tout à fait importer des éléments depuis euh, je suis sur une tablette. Donc j'ai un appareil photo, j'ai les photos de la tablette, j'ai les fichiers que j'ai importés dedans, mais je peux passer dans mon Creative Cloud, je peux aller chercher, par exemple, bien j'ai d'autres visuels, je peux aller chercher dans mes bibliothèques aussi, ou je peux aller chercher dans mes photos Lightroom. Alors pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, vous devriez avoir vu passer ça. Euh, voilà, et aujourd'hui c'est une journée X, c'est pas pour les enfants, pour ça que c'est rose. Euh, du coup je peux tout à fait intégrer des éléments qui sont pas que de la cuisine, quasiment que de la cuisine, et si je décide que mon canapé, hop, il va avoir une armature en métal en plus, je peux l'ouvrir et je peux l'intégrer tel quel. Donc là, je peux intégrer cet élément-là. Et pourquoi pas, bah, derrière, c'est de la photo, j'en fais à peu près ce que je veux. Hein, je suis hein, tranquillement dedans. Et je peux gérer mes déformations. Attention, on n'est pas sur Photoshop. Si je voulais faire des grosses déformations complexes, comme sur Photoshop sur iPad, je dans Photoshop sur iPad, hein, tout simplement. Tiens, d'ailleurs. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert Photoshop sur iPad. Tic, on va ouvrir Photoshop sur iPad parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et quand je suis en train d'ouvrir Photoshop sur iPad, j'ai passé sur mes documents en ligne. Je vais vérifier un petit truc, la synchro est interrompue, j'aimerais bien qu'il y ait une synchronisation parce que vous allez voir qu'il se passe plein de trucs sur mon Photoshop sur iPad. Et normalement vous allez reconnaître euh, le fameux canapé. Je ne sais pas si il est dans une version très antérieure ou si c'est juste parce qu'il n'avait pas fini la synchronisation. Alors je vais sortir ici. Je vais faire un truc hyper intelligent que j'aurais dû faire depuis longtemps, c'est d'abord le laisser finir sa synchro. C'est toujours bien. Vous remarquerez d'ailleurs un autre petit truc qui est euh, là, on est vraiment en mode comment est-ce que vous faites quand vous êtes tout seul à la maison. C'est que par exemple, eh bien, je peux demander à ma fille de faire ses devoirs directement sur la tablette. Donc j'ai ses devoirs. Et j'ai le, les résultats dessus, j'ai mes corrections, etc., etc. Ça c'est une autre manière d'utiliser l'appli. Ok Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'utiliser. Donc, euh, donc euh, en tout cas, on peut faire ça. Il y a moyen. Et ce qui va être intéressant pour nous, du coup, et eh bien c'est que, et là j'attends, euh, j'attends patiemment la fin du téléchargement de celui-là. Je ne sais pas si je peux le dupliquer. Je vais le dupliquer juste pour l'embêter et je vais le renommer vers. PS, hop, enregistré. Non, il faut que j'attende la fin de ma synchronisation. Et je suis en train de regarder l'état de téléchargement ici. Et bien figurez-vous qu'on n'y est pas encore à la fin de la synchronisation. Hop. Ça, c'est le point qui m'agace le plus parce que quand je fais des démos, c'est saoulant. Dans la vraie vie, ça se passe bien, mais euh, quand je fais des démos, j'aime bien pouvoir renommer les objets, etc. etc. Et du coup, il bah, y a des moments où je me dis Zut, ça aurait été tellement bien s'il avait pu finir ce truc. Quoi. Hop, synchronisez-vous. Parlez-vous, les petits. Euh, si c'est les formes primitives, non, pas encore. Euh, merci, génial. Bah, je suis content que ça vous plaise. Je suis très content parce qu'il y a une bonne partie de, de ce contenu-là qui n'est pas, euh, pas forcément simple à mettre en, en œuvre. Je viens là-dedans. On a les documents en ligne qui ne sont pas tous à l'heure. Non, là, on est, sur, on est très clairement sur la version précédente. Je suis sur la 14h30. Donc, on était au milieu de la session. Du coup, je vais vous le montrer sur une autre page. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme autre page Hop on va prendre ce document-là, on va le laisser s'ouvrir, on va croiser les doigts pour que ouvrir celui-ci ce soit possible et qu'il ne m'embête pas quand on est plusieurs sur la ligne. Parce que très clairement, hein, c'est pas un gros fichier. J'aurais jamais dû répondre à votre question de tout à l'heure sur est-ce qu'on peut faire ça. Et oui, je connais bien l'effet démo et je connais bien l'effet Bonaldi. Bonjour, monsieur Funzi. Euh, bienvenue. C'est ce qui fait le charme de tout ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et c'est ça qui est bien. Eh bien, je vous avais promis une session Fresco, je ne vous ai pas du tout promis une session Photoshop. Ça tombe bien parce qu'on ne va pas la voir. Hop. Oust. On va revenir sur Photoshop, on va voir s'il secouait un petit peu comme ça, ça va l'aider. On n'est pas aidé. Hein. Est-ce que vous avez des questions d'ailleurs pendant que je suis en train d'attendre le relancement de Photoshop et le relancement de et le, le, le petit fresco derrière Parce que là je suis juste en train d'essayer de les mettre à l'épreuve sur la partie connexion. Hein. Je suis pas en train de... Pour tout le reste, ça marchait plutôt pas mal. C'est vraiment que la connexion qui, me, qui, me, qui coince là maintenant. On va voir s'il s'en sort mieux. Est-ce que vous avez essayé Fresco Est-ce que vous avez un café Des gâteaux à côté J'ai à boire... Bien, je ne vais pas vous montrer ça dans Photoshop. <laughs> non, pas les internets, parce que si les internets étaient tombés, vous ne verriez plus rien du tout. À quand la session Photoshop, l'ABA que Quel genre de session Photoshop vous voulez Parce qu'on peut faire tellement de trucs sur Photoshop. On a fait toute la semaine dernière avec des photographes qui faisaient du développement photo sur Photoshop. On a, fait, on a terminé ces trois jours photo avec Samir Bellamra qui fait lui du photo montage sur Photoshop, qui fait des photos compositions. Euh, on a eu il y a un certain temps certains designers web qui travaillaient sur Photoshop. Donc ça dépend ce que vous voulez faire dedans. J'ai une question, mais je bosse sur tablette graphique sur PC. Allez-y, posez la question, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a un raccourci pour augmenter ou diminuer le flux du pinceau euh, Oui, il y en a sûrement un, faut demander à Stéphane. C'est pour ça que j'ai Stéphane avec moi. Non, il n'est plus là d'ailleurs. Il a dû repartir depuis tout à l'heure. Euh, oui, il y a un raccourci pour euh, modifier le flux du pinceau. Euh, moi je sais que sur Mac, je vais pouvoir modifier sa taille dans les, je vais pouvoir modifier sa taille dans les raccourcis clavier. Et mais voilà, commande option sur Mac. Alors sur la taille, mais commande option, il va falloir l'adapter sur Windows, ce sera CTRL, ALT, du coup. Et donc dans Photoshop, si jamais vous voulez vérifier vos raccourcis clavier, tenez regardez. D'ailleurs, je vous dis tiens, c'est pas synchronisé tout ça. Mais regardez qui est déjà là dans mon Photoshop. Vous le reconnaissez Vous avez reconnu ce canapé X. Euh, J'aurais dû faire un fauteuil en rotin. Et je vais pouvoir lui demander maintenant d'aller dans Photoshop, dans édition et dans les raccourcis clavier. Pour ceux qui ont besoin de spécialiser là-dedans et dans les raccourcis clavier, eh bien vous allez chercher par exemple quand vous êtes avec des non pas des menus mais quand vous êtes avec les raccourcis clavier des outils. Et vous lui demandez à voir les raccourcis clavier de vos outils, et à regarder spécifiquement, par exemple, pour l'outil pinceau, et pour euh, la forme suivante, diminuer l'épaisseur de la forme, augmenter l'épaisseur de la forme, etc., etc. On va pouvoir trouver tout ça, et on va pouvoir modifier ou assigner un raccourci spécifiquement sur euh, certaines problématiques. Okay Tiens, nous dit qu'il est intéressé par une session... Sur la peinture sur Photoshop. On en a déjà fait plein aussi. Hein. Attention, peinture sur Photoshop, on a, on a du lourd et on en a beaucoup déjà. Donc je vais, euh, hop, je, vais, je vais me reconcentrer sur mon, sur mon canapé. Je vous ai dit que j'allais garder le canapé. Du coup, alors le canapé c'est devenu un objet dynamique, enfin c'est devenu un groupe de calques, pardon. Et je peux lui demander pour le groupe de calques de baisser son opacité ensemble. Je peux lui demander pour le groupe de calques, de se déplacer ensemble. Donc ça c'est une manière en fait de. c'est une manière de s'occuper de vos calques. Et je vais vous mettre un tout petit peu plus foncé le calque parce que 13, vous ne voyez rien du tout. Voilà. C'est moins confort pour moi, mais ça l'est plus pour vous, et je suis très généreux. Thierry veut une session sur Photoshop sur iPad. Ouais, est-ce qu'on peut dessiner C'est plutôt pas mal. Ouais, je suis d'accord, on fait d'autres trucs. Euh, ce qu'on ne fait pas sur Photoshop sur iPad, et moi j'aime beaucoup Fresco pour ça, c'est <laughs> ici, on a les pinceaux dynamiques. J'ai commencé à vous en parler, puis je suis parti sur l'idée d'aller mélanger dans Photoshop. <laughs> Donc sur les pinceaux dynamiques, vous avez par exemple mon pinceau préféré c'est le pinceau lavis souple aquarelle. Le lavis souple, c'est un peu ce que j'utilise euh, quand je suis avec dans une main un, un pentel, dans la main gauche d'ailleurs, parce que je suis droitier, et dans l'autre main j'ai un pinceau à eau. Vous savez, les, les pinceaux à réservoir de flotte, et du coup, je, ce que je faisais, je le fais sur pas mal de, de, de contenu, je foutais un petit peu de flotte, enfin un petit peu d'encre sur mon pinceau à eau, et je m'en servais pour dessiner comme ça. Donc vous allez choisir votre plus belle couleur. Vous allez choisir la taille de ce pinceau. Et vous allez pouvoir lui dire le flux, c'est-à-dire la quantité d'encre, la quantité de, de couleur que vous allez mettre à chaque fois que vous allez poser le pinceau. Vous pouvez garder les réglages par défaut et tester d'abord par défaut, hein. vous êtes tout à fait autorisé à faire ça. Et je vais pouvoir lui demander ici de gérer la quantité d'eau qui va sortir de mon pinceau. Si vous mettez à zéro, vous avez un pinceau qui va être tout sec. Ce qui fait que la fois suivante, vous avez un peu comme un pinceau normal. C'est un peu triste. Par contre, si vous lui demandez de mettre un peu d'eau, eh bien tout ce que vous allez faire dessus, regardez mon encre qui commence à se déplacer et se mélanger, eh bien, ça va commencer à, ça va commencer à recréer de la matière. Alors là, j'étais en train de nettoyer justement mon, mon calque. Je peux aussi lui demander dans les trois petits points d'effacer le calque. Je nettoie tout et je recommence. Parce que vous le savez, il y a des tas de moments où ça va plus vite de recommencer comme ça. Donc je vais pouvoir lui demander de peindre pour ce fauteuil une zone spécifique. Hop, je peins et je laisse le. j'allais dire l'encre, je laisse la peinture tranquillement se, se mettre en place. Je vais baisser un petit peu mon flux, je vais augmenter la quantité d'eau. Alors une petite euh, petite astuce que j'aime bien aussi, si vous appuyez longtemps là-dessus, sur le, le petit curseur, au lieu d'avoir un curseur, vous pouvez lui dire bah, je veux spécifiquement 50. Moi je sais que j'aime bien avoir le curseur, débido à 90, et quand vous faites ça, ouais vous avez de la flotte partout. Et là ça commence à redevenir un petit peu amusant en termes de, de travail et de mélange. Hop. Ça va ça Ah c'est avec les numéros, d'accord je vais essayer. Oui, majuscule 5 pour 50%, etc. Oui c'est l'opacité du, du flux. Ouais, sur un clavier. sur un clavier large. Merci Stéphane d'avoir réussi à répondre à la question où j'étais pas du tout du tout dedans. La prochaine fois je ne prendrai pas les questions qui sont pas en sujet qui sont un tout petit peu hors sujet. Et puis il y a un truc qui est cool dans la peinture. Là je vais baisser un peu parce que 180 c'est bien, mais hop, on va pouvoir diminuer un petit peu. Je vais pouvoir ancrer et remettre un petit peu de la matière là-dedans. Vous vous rappelez mon modifieur là-haut eh bien, si j'appuie sur mon modifieur, je vais le garder un peu épais, hop, si j'appuie sur mon modifieur, quand je vais venir peindre, il va me dire que je suis en train de peindre avec de l'eau pure. Ce qui fait que je vais prendre la couleur de mon, de mon dessin. Regardez un peu comment ça bouge ici, c'est tellement beau. Et je vais le laisser se déplacer tranquille. Et je vais le laisser recréer de la matière avec juste de la flotte. Est-ce que vous êtes du genre à faire ça Ou est-ce qu'il n'y a que moi qui fais ça Est-ce que vous trouvez ça cool Ça fait un joli effet aquarellé. Ouais, ouais, ouais. J'en ai fait un bouquin complet là-dessus. Ça s'appelle les chiffres du développement durable. Et j'en ai fait un deuxième qui s'appelle les chiffres d'une planète de fou. Voilà, deux livres sur les chiffres. Tiens, j'illustrais beaucoup ça quand j'étais jeune. Oups. Donc moi, je kiffe. J'adore regarder ce truc-là. Et ce qui de bien aussi pour nous, eh bien, c'est que du coup, bah, je suis toujours sur mon appli, je suis dans un Photoshop like, donc je peux retrouver la teinte de mon, de mon pinceau. Et puis je peux reprendre aussi ce pinceau-là, je vais pouvoir lui demander, eh ben, tiens, on va se mettre ici dans un ton un petit peu plus canapé. Et je vais pouvoir lui demander de peindre, et dans les options de peinture et de transfert, je peux lui demander donc de travailler directement sur la couleur, et je peux lui demander en fait de gérer la, le, le, le transfert de ma peinture. Et je peux lui demander spécifiquement là-dedans, par exemple, de verrouiller la transparence quand je suis en train de peindre. Hop. Ce qui fait qu'il va essayer... et je vais prendre un vrai pinceau. Qu'est-ce que c'est que ce pinceau bizarre C'est mon pinceau Gaspard, n'importe quoi. Je vais prendre plutôt celui-ci. Et du coup, en verrouillant la transparence, je conserve la transparence de l'aquarelle de départ. Par contre, je lui donne une nouvelle teinte. D'un coup. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Euh, je vais choisir quelque chose de plus rouge, en fait. On avait parlé de Chesterfield tout à l'heure. J'ai envie de me faire un peu plaisir. Hop. Je sais que je l'aurai jamais. Je sais que j'aurai jamais cet espace-là. Mais on peut toujours rêver ensemble. Question de profane, on a ça sous Photoshop. Non, on n'a pas ça sous Photoshop encore. Alors il y a des tas d'options qu'on a sous Photoshop, mais les options d'aquarelle, elles sont pas encore présentes, Marc. Euh, hop. Hein. J'espère que ça vous a plu. Kyle travaille depuis presque deux ans chez Adobe pour les brosses. Tout à fait. Il y a des démos soufflantes de Kyle sur Beyonds, de Kyle, ouais carrément. Bien convaincant, ce petit effet d'aquarelle comme l'eau qui se diffuse vraiment dans le papier. Merci. Et alors, vous savez, enfin, je sais pas si vous... comment vous travaillez dans la, dans la vraie vie, mais quand on travaille comme moi, comme un sagouin, c'est le terme technique, il euh, bah, y a des moments où on regrette un petit peu d'avoir fait ça. Eh bien, je peux tout à fait prendre mon calque, je peux regarder les options du calque, et je vais lui demander de créer un masque vide. Et là, il m'aide, il me dit Attention, regarde, as fait un petit masque vide, là je suis en train de peindre dans mon calque. Je peux glisser un coup à droite, un coup à gauche, et là je vais pouvoir lui demander, par exemple, de masquer sur mon calque, je vais reprendre un pinceau, cette fois-ci je vais repartir là-haut sur les pinceaux de base. Hop, on va prendre un arrondinette, ce sera très bien. Check. Woohoo. On va prendre un petit arrondinette. Hop, et je vais lui demander d'écréter un petit peu tout ce qui déborde de mon canapé. Ça vous va ça? Ça c'est pour tous les gens qui ne travaillent pas proprement. Il euh, y en a, j'en fais partie. Et du coup, je suis hyper content d'avoir un outil euh, comme les masques Photoshop, que je connais quand même plutôt pas mal, pour pouvoir travailler sur ça. Donc on a vu qu'on pouvait lui demander au niveau du dessin directement de verrouiller la transparence, qu'on pouvait par la suite lui demander de créer un masque comme on en a besoin, et ça va me permettre, moi, de, de générer pour ce petit canapé exactement l'ancrage qui me, qui me convient. Je ressors de mon masque, donc je fais glisser sur le côté droit, et là j'ai mon élément qui est complètement écrété. Donc je peux revenir ici, je peux lui demander d'ailleurs de déverrouiller la transparence. Maintenant j'ai une nouvelle couleur, mais je vais revenir quand même avec mon aquarelle. Puis regardez bien, comme on est sur un calque aquarelle, wow doucement. 200 c'est beaucoup. Là on est plus cool. Et là je vais pouvoir jouer, vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais une espèce de doute sur la manière dont j'allais diffuser ma peinture. Euh, C'est trop. Et ça, vous pouvez pas le faire à l'aquarelle. Euh, je, je le sais, j'ai déjà testé. Donc on va augmenter le flux, on va baisser un peu le débit d'eau. Et on va pouvoir jouer comme ça. Check. Hmm. Et là, on va commencer à trouver des trucs un peu rigolos. Ça vous plaît ça Est-ce qu'on a l'impression d'être dans ce divan ou pas encore Pas encore. Hein. Pas encore parce qu'il ben, mériterait peut-être une petite ombre portée. Euh, mon ombre portée, je vais pouvoir la gérer plus neutre. Et plus épaisse. Non, épaisse et je vais pouvoir hop, repartir comme ça, augmenter un peu le flux, augmenter le débit d'eau. Ne pas hésiter au besoin à les peindre avec de l'eau pure, pour pouvoir diluer un peu cette peinture. Revenir d'ailleurs sur cette zone qui est un peu moche, pareil, un petit peu d'eau, diluer et on va diluer au bon endroit Oups. je sais pas si vous avez déjà fait ça en aquarelle hein, le fait de rediluer de remettre de la couleur dedans euh, de retravailler du coup sur des couleurs un petit peu plus fun là dedans alors j'ai deux choix pour les couleurs fun soit je reprends sur un calque supérieur par exemple petit plus et je peux me faire un tout petit calque pour les boutons et là en plus, je profite quand même du calque de l'aquarelle. Et si je veux aller piocher la couleur du dessous, je vais utiliser mon doigt. Donc j'ai le, le stylet dans la main. Et je vais euh, soulever un peu le stylet. Je vais utiliser le doigt qui me servira maintenant de pipette pour aller piocher une couleur. Et je vais faire un tout petit point de couleur. On va zoomer dessus. Et on va mettre un point de couleur avec un flux. Voilà. Vous l'avez vu apparaître C'est joli, hein. C'est joli, mais c'est un peu trop. Le flux, c'est bien. Le débit d'eau, c'est un peu trop. De toute façon, je sais bien qu'en ce moment, tout le monde est plutôt intéressé par d'autres débits que les débits d'eau. Voilà. Eh bien, euh, on en est là de ce petit canapé. Je me suis beaucoup amusé. J'espère que vous vous êtes beaucoup amusé. Si vous avez besoin à tout moment hein, sur un calque de peinture, vous pouvez même sécher votre calque de peinture. Et comme ça, vous repartez sur une illustration à plat. Si vous avez besoin de grouper les objets, par exemple, ben là j'ai mon canapé et toute, sa... toute son aquarelle, etc. Je peux tout reprendre et glisser les uns dans les autres. Oui. Je le fais quand j'ai des besoins euh, euh, quand j'ai des besoins spécifiques justement de manipuler cet objet ensemble. Alors vous faites bien attention parce que dedans je suis dans le, dans le groupe, mais il faut que je les remette dans le bon ordre. Hop. Je sais plus si j'ai un moyen rapide de faire ça, mais je ne crois pas d'ailleurs. Voilà, et je vais mettre mon tracé au-dessus, parce que ce sera quand même mieux. D'ailleurs, ce tracé il est très bien en tracé vectoriel, mais comme on est dans un équivalent de Photoshop, je peux aussi le mettre en produit, ou en densité plus, ou en obscurcir. Obscurcir c'est pas mal, normal, obscurcir. Produit c'est un peu violent, on voit les endroits où j'étais un peu sale. Ça c'est rigolo. Ça, c'est très rigolo comme style. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez tester, vous pouvez regarder justement ce qui va marcher dedans, etc. Euh, vous pourrez euh, ajuster par rapport à votre propre canapé. Euh, tout ce que je suis en train de faire là, c'est assez facile à mettre en œuvre, c'est assez facile de le gérer, check. En termes de mise en couleur, en termes de de mélange et de travail. J'essaye de finir un tout petit peu quand même mes petits points. J'ai fait beaucoup. J'aurais dû faire en fait un, un fauteuil chez Surfile plutôt qu'un canapé. Ça aurait fait me... moins de petits points à, à finaliser. C'est ma faute. C'est un peu magique. Ok. Bah écoutez, euh, merci. Je vais continuer de faire de la magie pour vous euh, tous les jours, tous les vendredis, à partir de 14. Tous les vendredis, tous les jours de la semaine, pardon. Ouh tous les jours de la semaine à partir de 14h avec des invités. La semaine prochaine, donc Nicolas Burnage sera avec nous. Euh, il fait de la vidéo, donc il a, il a plein de trucs et astuces à nous donner. J'en ai parlé un peu sur Twitter, sur Insta. Euh, Question pour les uns et les autres. Est-ce qu'il y a des gens qui ont du coup posté des choses sur Instagram avec le hashtag là maintenant ou pas encore Mettez-moi un petit oui si vous l'avez fait, comme ça on migre sur, sur Insta, s'il n'y si a personne qui s'y est collé. C'est pas grave, on fera une prochaine fois et je regarderai, j'en reparlerai peut-être dans les séances de la, dans les sessions de la semaine prochaine. Ouais, si vous voulez dessiner avec nous, ça peut être un peu l'occasion euh, de, 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 tester des trucs. Donc voilà, maintenant j'ai mon canapé et mon canapé, ben, je peux tout à fait le réduire. Check. Non, je vais pas le réduire. Hop. Je peux tout à fait le déplacer. Je peux regarder si je me fais une meilleure compo, etc. Euh pas hyper hyper satisfait, je pense que j'aurais pu faire des tas de trucs beaucoup mieux euh, enfin vous connaissez le concept, hein. on démarre un truc, on se dit c'est rigolo, puis parfois on regrette check voilà, on va commencer par virer ça ça fera pas de mal, il était pas bien ce trait, il avait rien à faire là en fait Et on dirait, on dirait la Chevrolet de, de Stephen King. Ou la Honda Civic de Christine. Voilà, comme ça on est mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est un peu mieux. Ce n'est pas encore royal, mais ça devrait aller. C'est super, merci pour les astuces, merci à vous. L'iPad Pro est-il mieux pour travailler avec Fresco euh, Ça peut être mieux si vous utilisez tout le temps des grosses brosses, mais euh, honnêtement, celui-ci, je suis sur un iPad vraiment de base, c'est de sixième génération. Il fait ça super bien euh, et il vaut un quart du prix, un tiers du prix, la moitié du prix seulement, je sais pas. En tout cas, euh, celui-là est très bien. J'ai juste prévu d'avoir de la place dessus pour être sûr de pouvoir faire des tonnes d'images dessus. Excellent moment sur Fresco, une session qui déchire à nouveau. Merci Alex, merci Jean-Loup, euh, bah, ravi que ça vous ait plu, ravi que vous soyez tous avec nous et qu'on se retrouve donc pour la suite de nos événements en direct. Donc euh, ça reprend lundi, lundi 14h, Nicolas Burnage, on va faire de la vidéo. Mardi matin à 10h, on aura nos sessions habituelles des Asque Pro, et ce sera une session autour de la photo. On va trier nos photos parce qu'on a un peu de temps et des boîtes de photos et des boîtes de vieux documents. Donc, je vais essayer d'utiliser mon scanner en même temps que mon en même temps que mon Lightroom. Vous allez vous me direz ce que vous en pensez. Je reçois mercredi Étienne Mineur, je reçois vendredi Jérôme Bareil, et on continue avec pas mal d'invités, pas mal de gens à voir. Donc euh... Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Euh, si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne YouTube et que ça vous a plu, vous savez comment ça marche. A très bientôt. Au revoir.